bien. Donc nous ça va, on va faire une vidéo tuto coiffure. Donc là on commence pour la coiffure de mariage, c'est parti. Je commence par lui prendre ses cheveux, je les plaque bien. Parce que voilà. Donc j'ai bien plaqué, je vais prendre ceci pour lui. Je vais mettre, je vais faire passer ça à l'intérieur. Après, je vais faire comme ça, comme ceci, je veux dire. Et je vais tourner. What? Donc voici. Donc j'ai un peu raté cette fois. Maintenant on va mettre ceci. Donc je mets ceci comme cela et ceci comme ceci. Et ceci comme ceci. Voici la future demoiselle d'honneur pour les mariés. Quand je disais qu'elle était un petit peu ratée, c'est juste parce que d'habitude je la fais un tout petit peu mieux. Mais vous le ferez mieux que moi, je sais. Parce que je suis pas très douée en coiffure, mais quand même, je suis en plein de tutos et je suis quand même douée en coiffure. Bah oui, j'ai pas inventé. Deuxième coiffure pour les anniversaires. Let's go! Donc pour la deuxième coiffure, je vais mettre les cheveux sur le côté. Je prends la brosse qui juste là. Non. Si vous aimez les coiffures qu'on vous montre, n'hésitez pas à liker et à commander. Donc je vais lui attacher déjà les cheveux pour une première fois avec un élastique. Attention. Donc je vous retrouve après quand j'aurai fini sa couette. Voilà. Donc après, faut juste. C'est moche ici, faut pas que tu montes derrière. Donc, pour faire un peu plus joli, je vais lui mettre un élastique rose autour, assez épais, pour pouvoir faire plusieurs tours, pour que ça tienne bien et qu'on ait bien l'impression que ce soit le vrai élastique. Parce que cela, il tient pas très bien. C'est juste pour décorer, on va dire. En plus, il faut faire beaucoup de tours. Oui, c'est un élastique pour les cheveux épais. Mmh. Donc les cheveux épais que j'aime moi, mais elle a les cheveux fins, donc c'est pour décorer. Donc maintenant je vais faire la tresse. C'est à combien de pourcents de batterie? Attends, attends.